Bonjour, mon nom est Marc Gérard et je suis le directeur de l'école La Carrière. Dans le cadre de la journée de la non-violence, mon équipe et moi avons pensé vous partager un projet qui a été réalisé par nos élèves. Selon nous, une école, c'est comme une mosaïque. Une mosaïque qui est composée de plein de couleurs différentes et qui enrichissent notre milieu. À notre avis, tous les élèves ont une couleur bien à eux qui permet de créer une toile unique en lien avec les intérêts et les forces qui font la beauté d'un groupe et d'une école. La couleur unique de chacun des élèves représente la différence. Nous, à l'école La Carrière, pensons que les différences nous permettent d'enrichir notre milieu, ce qui nous permet de travailler main dans la main sans crainte d'être jugé. Dans le but de faire réaliser à chacun des élèves la force unique qu'il possède, ce groupe a préparé un vidéoclip et dans celui-ci, vous remarquerez le personnage du loup qui est constamment rejeté par ses pairs. Malgré les difficultés qu'il rencontre, il persévère et fonce dans l'épreuve. Vous remarquerez d'ailleurs le soutien apporté par son entourage. La vidéo permet de vous sensibiliser dans la dénonciation de la violence et de l'intimidation en misant sur l'entraide que l'on peut se fournir en tant qu'être humain. Observez bien les moyens utilisés par ceux qui aident le loup dans la vidéo. Ce sont des trucs que vous pouvez utiliser à tous les jours lorsque vous êtes témoin de violence ou d'un tel acte. Voici donc la vidéo de la chanson « Karim et le loup » repensée à la manière des élèves de l'école La Carrière. Je t'écris ceci au bord du gouffre. L'homme est un pour nous, sommes dans la gueule du loup.
Il est maintenant le temps pour vous de discuter en classe de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vu et ressenti durant le visionnement de ce vidéoclip. Questionnez-vous, réfléchissez. Avez-vous déjà été témoin d'un tel acte? Avez-vous déjà été victime d'un tel acte? En avez-vous discuté, parlé ou dénoncé à un adulte qui pourrait vous aider? Tous ensemble, en réfléchissant comme il faut, nous pouvons vaincre cette violence qui est souvent sournoise et silencieuse. Je vous souhaite une belle journée de paix et une année remplie de paix et de plaisir.